Avec le voodoo, il dit va, va, je t'envoie là-bas. J'ai refusé, il dit non, pas.
Voilà, c'est je dis ce qui est sérieux. Mais si je suis venu ici, ce n'est pas pour moi-même. J'avais refusé de venir ici. Mais comme Dieu a dit, va, je suis venu. Il m'a montré le Bénin avec toutes les fétiches. Il dit, va. Lorsque le dernier jour, je viens encore dans le sommeil des villages, j'allais, j'ai saccagé des vaudous, j'ai saccagé des fétiches. Et je suis sorti victorieux. C'est pourquoi je suis en train de proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Jésus-Christ il est Dieu. Dieu. Il est roi des rois. Il est tout puissant. Amen. Il est merveilleux. Quand il dit, il accomplit. Il n'a jamais joué. Amen. Il n'y a pas personne qui peut s'élever. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Frère Jean-Baptiste, comment trouvez-vous ce jour que vous représente ce jour aujourd'hui où vous vous retrouvez dans les eaux? Maintenant, je suis très joyeux. Je suis très joyeux à ce rendez-vous. La Bible dit, je suis la voix qui crée dans le désert. Je suis venu de Dieu prier dans le désert de tout le monde. Jésus le Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour crier dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Il est puissant. Amen. Il est inchangeable. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême de Caleb. Et tu veux t'engager avec Jésus, mourir avec lui. Quelles sont tes impressions en ce jour de ton baptême? Nous avons pris le temps que la mission. Bien-aimé Isaac, nous te baptisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort avec lui. Tu as ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le ciel vous dise dans ta vie. Je veux le remplir de ta sainte Papa, je veux remplir. Je le remplis. Je suis affiché en ton nom. Je t'apprécie de ton feu. Je t'agace. Je rappelle. Je rappelle. Je rappelle. Je te rappelle. Papa, je comble. Tu meurs avec Jésus-Christ, tu reçus avec Jésus, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Je meurs avec Jésus. Amen. Je ressuscite avec Jésus. Amen. Pour la gloire. Alléluia. Dans le miracle. Alléluia. Dans le prodige. Alléluia. Pour que les morts ressuscitent. Amen. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Vous entendrez. Amen. Par la gloire de Dieu. Cette parole s'accomplit.
Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te baptise. Tu es mort avec lui. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je prie maintenant, Seigneur, Papa, que le ciel s'ouvre dans sa vie et que tu le rendes de ta puissance, Seigneur. De ta puissance, puissance, venant d'en haut, mon Dieu, ma voix, descendant lui au nom puissant de Jésus, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, c'est la roi qui le génère, la gloire qui le génère, la gloire qui le fait et qui équipe, son âme, son esprit, l'équipe en flamme, c'est donc, et on vient avec la nature de Dieu, l'intimité de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, glorifie, Seigneur, tu prends ta parole dans ta main, et ton feu dans ton nation, la sève 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 dans ton nation, Alléluia, gloire à Jésus-Père de Dieu, nous bénissons le ciel. Amen. La sœur Augustine, elle a quitté le Togo pour venir au réveil au Bénin. Elle a été enseignée à l'école de la Sainte Doctrine et aujourd'hui, elle a été délivrée puissamment par le Saint-Esprit. Et c'est le moment pour qu'elle soit baptisée. Nous vous invitons aussi à venir au Bénin, à être imprégné de la Sainte Doctrine dans ce réveil, parce que le réveil a lieu. Venez, venez, alléluia. Dans le jour de son baptême. Frère Samuel, donnez votre vie à Jésus. Nous te baptisons au nom du Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. La table est finie. Enlevez la crucifix. La table est finie. La puissance de haut descend. 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 Cette puissance de saisie. 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 Reçois-la. A dit à Dieu au monde et à tout ce qui lui appartient. Et quand on dit à Dieu au monde, c'est que tu abandonnes complètement le monde. Amen. Et tout ce qui lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après le baptême, qu'est-ce que tu le fais? Le frère Samuel est en train de témoigner que lorsqu'il a été plongé dans les eaux, il est sorti, il a vu la puissance de Dieu. Il a senti la puissance de Dieu et nous l'avons remarqué. Et le Seigneur, cet enfant, le Seigneur va l'utiliser.
faire de grandes choses pour guérir les malades, pour même ouvrir les yeux des aveugles, afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Elle dit que après son baptême, qu'elle va ramasser les âmes pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Accueillir les âmes, et même toute sa famille, ses enfants, alléluia, les amener à alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur. Voilà sans le Dieu. Nous déclarons que tu meurs avec Jésus, tu reçois avec Jésus. Nous te baptisons au nom de Jésus. Je suis là. Je prie que le ciel s'ouvre maintenant. Alléluia. Je te baptise au nom de L'onction de Dieu s'attache à toi. Tu rentres chez toi avec puissance. Tu rentres chez toi avec puissance. Jésus vous aime. Donnez bonne vie à Jésus. En tant que femme servante de Dieu, avec une force dans la prière, tu rentres en tant qu'intercesseuse. Le Seigneur te les accorde. Au nom de Jésus. L'hospitalité, vous avez besoin. Il vous accorde cela. Merci, ça va. Pour accomplir les bonnes œuvres. Au nom de Jésus. Il bénit votre vie de bénédiction, de richesse. Pour le droit. Bénis toi. Pour le droit. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. D'accord, nous avons encouragé la sœur dans notre baptême. Elle a vu une puissance qui l'a soulevée, qui l'a transportée, et en même temps, elle ne pas parler la nouvelle langue. Et au nom du Seigneur, elle a baptisé de son esprit. Ah, Jésus, alléluia. Allez en paix, proclamer l'évangile de Jésus au Togo. Allez annoncer le feu au Togo. Le feu du réveil. Le feu du réveil au Togo. Le feu du réveil au Togo. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, le Seigneur des Seigneurs.
Alléluia, Alléluia. Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Des rois, le Seigneur des Seigneurs. Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Alléluia. Amen. Jésus. Voilà, elle dit que après son baptême, elle, elle veut chanter pour Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander, Seigneur, de remplir ta fille de ton onction, l'onction de chante, dès qu'elle sortira de cette eau, que cette onction déborde. Prions l'eau de Seigneur. Seigneur, si tu l'as juste, je dis, papa, surtout. Seigneur, si c'est ton plan là, oh mon Dieu, mon roi, papa, je te prie, atteste que quand elle a sorti, mon Dieu, mon roi, que l'onction de chant éternel, mon Dieu, mon roi, la saisit, qu'elle ne puisse pas se retenir, et qu'elle se mette à chanter cette mélodie qui vient de ton trône, de ta gloire, au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon Seigneur, je remplace ta saison, oh mon Dieu, équipe là, oh mon Dieu, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Ma fille grâce de Jésus, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort. Alléluia. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Seigneur Jésus, nous bénissons le Seigneur pour la vie de la sœur qui depuis longtemps suit l'église, le groupe depuis 2 ans. Et vraiment aujourd'hui, elle a décidé de s'engager avec le Seigneur. Quelle est la source de la vie? Jésus, nous allons prier que nous sommes la vie. Pour servir le Seigneur, pour chanter. Après son baptême, prions pour les autres. Seigneur Jésus, je prie pour la vie. En ce moment, moi je prie maintenant. Seigneur, à chier à l'aide, à chier à l'aide. Ton frère, tu l'équipe, tu l'as rejeté maintenant. Quand elle a été plongée dans l'eau, elle a vu une grande lumière qui descendait sur elle. C'est la lumière du Saint-Esprit. Jésus-Christ est la lumière. Et Jésus fait de nous la lumière du monde. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur fait de toi sa prunelle. Donc tu es devenu intouchable. Amen. Intouchable de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais à Jésus? Nous déclarons ta mort avec Jésus. Et nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant. Là, on lui a demandé, lorsque tu as été plongé dans l'eau de baptême, qu'est-ce que tu as senti? Elle a dit qu'elle a senti la joie. Avant, tu avais peur. Alléluia. Elle avait peur. Mais lorsqu'elle a été baptisée, j'ai appris à tous la rue et la joie s'est installée. Alléluia. Enfin,
les habits, 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 les
Ce repas, c'est tout le ciel qui se met en joie. Amen. Et aujourd'hui, vous avez pris l'engagement et vous avez dit adieu au monde. Amen. Et à tous ces rudiments. Amen. Et vous vous êtes engagé avec Jésus-Christ à marcher avec Jésus dans la vérité, dans la fidélité, dans la sainteté. Je vous exhorte. Demeurez ferme avec foi. Amen. À marcher avec détermination. Et ne permettez jamais que quelque chose vous détourne encore de cette voie-là. Amen. Vous êtes sur la dernière piste qui vous conduit. Alléluia. 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 Donc, tel que vous avez déjà promis au Seigneur, il faut que vous vivez de nouveautés de vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous vivez comme de nouvelles créatures. Le vieil homme est mort. Amen. Complètement mort et enterré. Et maintenant, vous vivez comme une nouvelle créature. Amen. Donc, il faut que même les païens témoignent que réellement vous avez changé. Amen. Si les païens peuvent témoigner que vous avez changé, c'est que le ciel témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà la petite exhortation que j'aimerais partager avec vous parce que vous allez la demander. Seigneur Jésus, nous te disons merci, merci pour la vie de ces âmes, amen, pour la vie de tes brebis, pour la vie de tes enfants. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui est un grand jour, oui, et tu as déclaré dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, amen, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je prie que toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie, que la vie spirituelle devienne nouvelle. Amen. Que la vie dans tous les domaines, la vie dans le domaine social, alléluia, le domaine financier, dans tous les domaines deviennent nouvelles au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant, Seigneur, que tu enregistres le nom dans ton livre. Amen. Que le nom soit gravé sur des tables d'or. Amen. Que ce nom ne soit plus jamais effacé. Amen. Et que toute tentation de l'ennemi sur la voie, sur la route, sur le chemin, toute épreuve qui viendra, ou toute persécution, toute tribulation qui viendra pour les enlever, je prie que tu les aides à surmonter. Amen. Rester ferme et à braver toutes les étapes de la foi, amen, afin de parvenir vers toi. Amen. Seigneur, notre plus grand désir pour, yes, toutes ces âmes, c'est qu'au dernier jour, yes, lorsque ta trompette sonnera, oui, Seigneur, elle puisse monter vers, amen, toi. Amen. Nous puissions tous chanter à la gloire, amen, de notre Dieu. Amen. Alors, je prie que tu veilles sur chacun d'eux, amen, et qu'aucune de ces brebis ne se perde. Amen. Amen. Tu as dit, je connais mes brebis, amen, et elles entendent ma voix. Amen. Alors, Seigneur, je prie que tu permettes à ce qu'elles entendent ta voix jusqu'à la fin de leur jour, ou jusqu'à ton arrivée. Amen. Seigneur, ceux en qui tu as mis les capacités, amen, des dons pour ton église, amen, Seigneur, je prie que tu puisses faire valoir ces dons. Amen. Afin qu'ils soient des vases utiles à de bonnes œuvres pour servir à l'édification du corps, à l'édification de l'église. Qu'ils soient chacun des membres
Oui, pour pouvoir solidifier le corps avec une église. Seigneur Jésus, plus en bénéficier. Seigneur, nous te disons merci. Nous prions qu'il soit des canaux que tu utilises tout simplement pour envahir le royaume de Satan, pour gagner les âmes, pour ouvrir la prison des prisonniers, pour briser les jougs, pour briser les liens. Alors, Seigneur, je prie pour chacun d'eux, déploie un ange gardien. Déploie un ange pour les accompagner, pour les consoler, pour les fortifier et pour les apporter tes messages. Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit béni pour la vie. Garde-les dans le cœur de tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Avec nous. Amen. Et voilà, ils sont très, ils sont remplis de joie.